Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la présence de l'épisode de Mad Max, chers amis. Donc, comme vous l'aviez vu dans le précédent épisode, nous étions un petit peu plantés, chers amis. Enfin non, nous avions réussi ce que nous voulions faire, c'est-à-dire ceci. Et donc, dans cet épisode-ci, nous allons faire quelque chose d'assez différent. Nous allons aller faire les différents champs de mines, tout simplement. Donc, réalisables dans ces régions, donc dans les régions de Gudgash. Et je pense le faire donc dans un seul épisode. Et je pense que dans le prochain, nous irons donc voir Pink Eye. Des projets peuvent être construits. Ah! Ah bon? Ah oui, ferrailleur déjà là, oui. Hop. Voilà. Alors, est-ce que ça va moi faire un truc? Non, pas cette fois-ci. D'accord, vous priez devant une hélice de bateau. Ok, c'est cool. Non mais c'est cool les gars, faites comme si j'étais pas là. Faites comme si j'avais rien dit. Je n'ai rien dit d'ailleurs. Vous savez quoi? Oubliez-moi. Oula, il y a un mec avec... Ils vont pas vous emmener. Je ne les laisserai pas faire, ils vont pas vous emmener. Ok. Non, c'est un bout de métal bleu, c'est bizarre. Oh, pauvre petit. Bon, bah, je pense que c'est tout, hein. Ah non, attendez. Il y avait quelque chose par là, non? Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Appelez. Parfait. Peut-être que là, on va avoir une amélioration du bateau. Oui, non, oui, voilà, je m'en doutais un petit peu. Ah ah! Qu'est-ce qu'il va y avoir? Encore plus de drapeaux? Oh putain, il manquerait plus que ça. Ah bah oui, encore plus de drapeaux. Oh non de Dieu! Ils aiment ça les drapeaux par ici. Bon. Alors. Ah puis y a même des peintures au mur et tout. Hein. Truc de fou. Truc de fou. My belly hurt. You're hungry. We'll get food soon. Intéressant. Ah, il m'en reste un que j'ai pas fait. Ouh. Hop, normalement c'est X pour choisir un autre véhicule. Collection. Le buggy de Chum, où est-il? Le voilà. Hop, et on y va. Si au passage on peut trouver la pièce qui nous manque, par contre ce serait cool. Hop, 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 hop. J'aurais dû regarder avant d'y aller. Non, 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 non. Réserve d'eau, c'était ici. Donc on a deux champs de mines ici qu'on n'a pas du tout découvert. C'est cool. Ben on va y aller. Voilà exactement ce que je voulais éviter, chers amis. Avoir à y aller au pif. Donc maintenant on n'a plus qu'à trouver des cimetières de voitures. Disséminé normalement là où c'est le plus utile sur une route. Alors. Ah ah. Oh oui, il y en a un là. Bon, je suis pas allé chercher la pièce, je me sens con maintenant en plus, surtout que je suis descendu un peu comme un bourrin. Aïe, oui, il y en avait une là. Bon, attends, parce qu'il y a le chien qui va cramer, sinon ça va pas être top. C'est bon, on a ce qu'il faut pour réparer, de toute manière. Bon, mais non, je vais pas taper dans la voiture, je vais monter dessus, mon du gland. Ok, elle est où? Là, c'est bon. En plus, en pleine nuit, c'est génial. Hop là. La musique. Ah non.
J'aurais cru à un combat. Alors à gauche, lui dis. Hop les. D'accord. Merci Dinky D. Hop les. On est bon. Ça en fait une. Où elle est ma voiture? Là. Ah bah on va être à zéro en plus, c'est cool. Donc je rappelle qu'il faut qu'on remonte là maintenant. Alors comment on va faire, je sais pas. Si par la route, ce serait peut-être pas mal. Hop. Allez, pousse. Oh, il avance à rien ce buggy. Par contre, il perd pas trop de vitesse dans le sable, ça c'est cool. Ferraille 1. On l'a. Réserve d'eau, j'imagine qu'elle est dans le bateau. Oh mon bateau! Oh putain. Ah bah c'est cool, j'aurais fait le tour pour rien. On appelle ça un tour de con, chers amis. Oh nom de Dieu, puis il va encore falloir encore descendre, non j'imagine, oui. Forcément. Et là, il va y avoir des gens. Dégage! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Aïe! Boum! Dommage! Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont trop cons! On a l'impression qu'ils meurent à côté de mes coups, c'est débile! Allez, tape! Ah, oh, je pense qu'il allait taper avec la clé. Ah, oh, je me croirais être dans Ratchet & Clank. J'ai la grosse clé. C'est génial. Ok, c'est cool. Et ça mène... nulle part. Ok, c'est cool. Bon, il y a un petit peu de bouffe, mais je vais pas la prendre. Qu'est-ce que c'est qui a fait ce bruit-là? Ça faisait un putain de bruit dégueulasse. Mais bien sûr. La drôle de chose dans ce jeu aujourd'hui. On va voir s'il translate. Non, il translate pas. Il a fait l'animation de saut. C'est cool. Merci Max de pas t'envoler comme ça. Bon. On n'a plus qu'à trouver le deuxième champ de mine. Personnellement, s'il y en avait un par là, je dirais que l'autre se passerait plutôt par là. Alors ça c'est que de la pure estimation, hein. c'est du pif chers amis. Hein. Hop. De toute façon pour les autres zones je crois qu'on en a trouvé au moins un. Ah non pas du tout dans celui-là. Pas du tout dans celui-là. Là on a les deux, là on en a qu'un. D'accord, ok c'est cool en fait, on a de la recherche. Cet épisode va être drôlement long. Oh non, il va y avoir des gens droit devant. Quoi? Je suis pas équipé pour les taper ceux-là moi. Faudrait que je les emmène dans le champ de... Ah bah ils fuient de toute façon. Ils ont eu peur du buggy de chum, les pauvres. C'est con, n'empêche. Hop les... Oh là! Et en plus je roule classe. Ah non, j'ai loupé la route aussi. Le chien il est dedans, vous êtes sûr? On le voit à peine, hein. Hop les... Ah, il a trouvé quelque chose. Aha! Alors je le fais sans carte, hein, chers amis, autant vous le dire. Hein. Parce que je l'ai mis juste à côté, je sais bien, mais. Là pour vous dire, je l'ai fait sans carte. Sans carte. Ouh! Ouh! Heureusement que tu me préviens, hein, saligo! C'était quoi la touche X? Ça devait être réparation rapide. La voilà. Parfait, dommage qu'on puisse pas passer cette animation parce qu'elle est vraiment moche. Enfin elle est vraiment inutile surtout parce que bon. Voilà, j'en ai un coup de pince, pince coupant, toute pince, tout court et hop c'est bon. Il m'en reste encore une, je suis con.
Ah oui, elle est vraiment pas loin là. Ah. Ce serait con de marcher dessus et pouf ! Champagne ! Bon, ça c'est fait, plus aucune menace. Gutgash respire. Ah bah j'espère bien. Où est ma voiture ? Là. Hop. Niveau 20, c'est cool. On va aller se téléporter juste ici. Et on va emmener notre chien-chien. Oh ! Me téléporte pas avec l'autre voiture ! Ah, ce serait débile. Putain. J'y ai pensé qu'après, chers amis, je suis désolé. Ah, cette perte de temps. Oui, c'est... Oh, il est juste à côté. Bon, bah, on va aller le faire. Hop. Voilà, content. Ah, je m'attendais à avoir un petit truc. Bon bah, non, je vais pas payer tout de suite la ferraille. J'ai pas envie. Comme on risque d'avoir le V8 bientôt, j'ai envie de pouvoir m'acheter le V8 comme il faut. Et non, j'ai encore chié dans la colle. Chers amis, je suis désolé. Reprends-moi. Hop. Voilà. Oh putain. Par contre, elle m'a dit d'aller voir le chef. Ce qui ne me rassure guère. On va le mettre en plein milieu et on y va. Et on va gagner du temps. Gagner du temps. Hop, on y va, c'est parti. Roule ma poule. Oh, la lune. Hop, à gauche. Eh ben non. Eh ben non, je vous aurais pas tué. Alors. Ouh, c'est sympa par là. Dommage que j'ai pas de klaxon. Alors apparemment on n'est pas encore arrivé dans la zone suivante. Toujours pas. Ça devrait se faire plutôt plus ou moins maintenant. Voilà, parfait. Tu sens ou tu sens pas? Un mot toutou. Ah, c'est beaucoup moins causant quand il n'y a pas... quand il n'y a pas Chum Bucket qui parle. Il n'y a rien senti dans la zone. Hein. On va partir au sud, on verra bien. On va même partir plein sud. Ah non, il n'y a vraiment rien du tout. Hein. Ah, attendez, il y a une carcasse là, non? Non, c'est pas une carcasse, c'est bien une voiture complète. Bon, je suis où là? Ah putain, je suis en plein dedans pourtant. On va essayer d'aller par là. Oh, il l'aurait senti, je pense, parce qu'on est passé juste là. Il l'aurait senti, on va plutôt passer par là. Ah putain, je crois que la voiture s'est réveillée. Oui, elle s'est réveillée. C'est dommage, les pilotes sont là. Ils sont bons dans ma direction aussi, c'est bête. Même si c'est pilote assez bien en fait, le véhicule de Chum. Oula, je me suis bouffé un caillou dans une roue. Vous avez vu ce que ça fait? C'est assez réaliste, je l'avoue. Cette roue-là vous déporte toute seule. Ah, je pensais que j'allais l'emmener dans l'autre direction, mais non. Ah, ah, ah. Aïe. Bla. Non, c'est une 4 roues motrices. Non, si, oui, non. Alors l'autre, il a dit which way, mais je pense qu'il a... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais c'est cool. Mais j'ai pas compris. Mais c'est cool.
Honte de la folie, course à la mort, oui, pourquoi pas. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est les champs de mine, quoi. Hein, l'ami? Bon. Partir vers le nord, alors. Toujours dans la bonne zone, hein, on est d'accord. On va plutôt aller par là, alors. On verra bien. Hop. Il y a franchement rien. Mais c'est pas possible. Ah. Ah, en voilà un. Alors. Non! Ou plutôt oui! Roule dessus! Raté! Viens dans le coin! Roule sur les mines! Non? Oh! Bon, explose. Hop! C'est pas grave, on va aller les chercher nous-mêmes parce qu'apparemment il veut pas rouler dessus. De toute façon, elle est un petit peu loin derrière. Elle est où? Là! Oh, oui, elle était un peu loin, effectivement. Hop! Ce qui en fait deux. Et la troisième. Où est la voiture? Là. Droit devant. Non, un peu plus sur la gauche. Pourquoi pas. Putain. Ah, c'est pas passé loin. On a failli rigoler, chers amis. On a failli rigoler. Hop là. Alors, on est là, donc je dirais qu'on ferait qu'on aille chercher par là. Hop. On verra bien. Hop les. She flies. Comme dirait l'autre. Ouh, 500 pièces de ferraille. Ah bah ça va, tranquille. Bon, ça sent pas la mine par là, non? Là, ça pue le soufre par contre, je suis désolé. Alors. Ah! Pas trop vite! Où ça? Ah bon? Ouais, juste à côté, ouais, génial. Ouais, je te comprends, l'ami. Oula, je me suis dit que je vais marcher dessus. Et si je saute dessus, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça aurait été tellement fun. Encore droit devant? Un petit peu sur la droite. Bon. Pourquoi pas. Fais gaffe, préviens-moi à l'avance parce que dans la pente... D'accord, ouais, bah c'est bien, c'est bien. Hop! Dans la pente, j'aurais eu l'air con. Où chic c'est que t'es garé, toi? Hop, t'es là. La suite. Alors, complètement à droite. Ok, mais préviens-moi à l'avance. Merci. Hop! Parfait. Ce qui fait deux zones, plus que deux autres si je me trompe pas. Ça tombe bien, on doit être un peu plus de 15 minutes.
je pense. Alors maintenant on va aller là. En plus ça va être pratiquement de la ligne droite pour y aller, ça va être cool. Hop les. Voilà. Ouh. Esquive, esquive, esquive. Heureusement qu'ils ne patrouillent plus dans cette région. Hein. Franchement, heureusement qu'ils ne patrouillent plus dans cette région. Hein. Ils viennent de me l'afficher. Ah, 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 j'ai peur. J'ai peur. Je vous emmène dans le champ de mine. Non, pas par là. Hop les. Non. J'ai dit que je vous emmenais dans le champ de mine. Ça va être drôle. Allez, venez. Allez bien, c'est bientôt la fin. Tu vas péter pas pour rien. Allez, venez! Allez, sors! J'ai envie de le voir marcher dessus. Et pouf! Ça, c'était beau! Là, je m'éclate. Enfin, oui, je m'éclate. C'est peut-être pas le meilleur mot, mais. Je m'éclate. Et l'autre, elle est où? Allez les mecs, venez! Venez, je vous attends moi! Allez! Allez les mecs! Y'en a une là-bas? Y'en a une là-bas, c'est cool! Allez, cours! Pouf! Oh putain! C'est tellement beau! Vas-y, monte! Parfait! Je voulais pas demander mieux! Aïe, mais c'est pas grave, chers amis. Hop les. Oh merde! Ah, c'est trop con! C'est trop con! Oh putain! Ah, c'était trop con! Ah, j'ai adoré! C'était tellement beau comme fin! Il a sauté de ma voiture directos sur la mine! Oh putain! Ah, c'était génial! J'aime! J'aime quand ça se fait comme ça! Ah, faut que j'y retourne, c'est dommage. Hop, allez, on y retourne. Hop, c'est parti. Ah, putain, c'était tellement beau. Mais non, j'ai pas tout fait comme il fallait. Ah, là, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, tant pis. On va prendre la route. Ce sera plus sûr. C'est parti. Alors, est-ce qu'ils vont me forcer à refaire les trois? Ou est-ce qu'ils vont me laisser la dernière à péter? Parce que techniquement elle a pété la dernière. Ah puis il va pas y avoir les trois zigotos là qui vont venir me courir dessus. Ah oh, c'était tellement beau, c'est dommage. Quand dans ton cœur ça fait boum. Je crois que l'épisode va s'appeler sauter à pieds joints. Ou la marelle, ce sera la marelle. Voilà. Jouer à la marelle. Oh, c'est dommage. On est à fond par contre, chers amis, là. Hein. On peut pas rouler plus vite avec. Hein. Elle est pas trop moche en plus, vu comme ça. Hop, les. She flies! Alors, nous y sommes. Nous y sommes 41. Oh non, je vais pas le redire. D'une parce qu'elle était moisie de chez moisie. Oh non, les trois sont là. Bah il a sauté dessus. Non, c'est faux, regardez, Yann. Il y a des bouts du mec. C'est la troisième.
Me dis pas que je dois refaire les trois. Voilà, merci. Hop. Et donc si on avait une là, je dirais que l'eau doit être plus ou moins par là. Ou peut-être par là. Je peux peut-être plus par là. C'est un peu moins facile d'accès, vous comprenez, vous voyez le truc. Oups. Dans le pire des cas, on roulera. Bla. Ouais, je regardais la durée de l'épisode plus ou moins. Mon estimation de la durée de l'épisode, parce qu'elle en était. Toujours avoir les yeux sur le... Sur la route, chers amis. Très bon conseil, ça. Et les mains sur le volant. Alors. Raté. Oh oui. Trouve-moi le champ de mine. Trouve-moi le champ de mine. Trouve-moi le champ de mine. Oh putain. Y'a rien par là. Donc c'est que ça va être plus ou moins par là. Et donc faut que je fasse demi-tour. Hop les, allez venez les mecs. On y retourne. Bouffe ma fumée. Enfin bouffe mon sable. Nope, moi d'abord, dégage. Ricochet, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je ricoche. Aïe. Tu sais que ça fait mal ce que tu me fais là. Et non mais, tu vas me lâcher, oui. Hop, salut les gens. Net net. Alors lui j'ai pas compris ce qu'il était parti faire l'autre là. Ah oui, monte aussi toi, ça m'en fera 3. Ah mais il me casse les couilles celui-là. Oh putain. Bonjour. L'outil passe l'air de rien. Pom 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 pom. Oh mais cet épisode de la folie. Eh ben non. Je passe par là. Je suis un fou. What? Tu vas te calmer espèce de coccinelle au rebut. Ok bon je reconnais que je fais des conneries aussi. Aïe, non mais tu vas te calmer je t'ai dit ou pas? Ah bah alors là par contre la coccinelle elle a calé, je vous raconte pas. Raté. Je croyais qu'elle avait calé mais non en fait elle a encore du peps hein. Bon j'ai pas quelque chose. Tu peux pas me chier un os explosif ou un truc comme ça? C'était pas par là. Hop les. Bon, tu dégages. J'aime pas les coccinelles. C'est con. Bon, c'est con aussi pour moi, vous me direz. Le chien a tué. Je te laisse la vie sauf juste parce que tu m'as remis sur les roues en fait. Hein. Bon alors, où c'est que c'est? Hop, tu sais quoi, on prend par la droite. Ah, dommage, c'est tellement stylé ce que je viens de faire. Allez, tourne. Lâche-moi. Attendez, il me reste combien de régions? Il me reste 3 régions à faire. Ah la vache. On n'avance pas, chers amis. Hop là, t'es parti dans la mauvaise direction, c'est con. Hop là. Ah ben non. Ah bah si. Ah ben non. Oh, cette position de conduite, elle est géniale par contre. Alors. C'est con. Ce qui vous est arrivé. À droite. Ok. Oula, oui. Là, il doit y avoir de l'explosif. Dis-moi tout. D'accord.
Ah, je viens de comprendre le système des recharges. En fait, il recharge pas son flingue dans la voiture. Ce qui fait qu'en fait, actuellement, dans la voiture, j'ai 4 tirs. Et avant, je n'avais qu'un seul. Ah, c'est... Je comprends, C'est cool, c'est arrivé à ce nouvel épisode que je commence à comprendre les choses. Bon, je vais la chercher. Il voulait pas que je le caresse, apparemment. C'est dommage, hein. Quelle belle bête. Je parlais de Max, forcément. Hein. La belle bête, c'est Max. Hein. Max, qui est d'ailleurs aussi un nom de chien. Hein. Soyons honnêtes, hein, faut le dire. Hein. Ouh! Ouh! Ça a failli faire boum encore. Bon. Et 2, 3, il y avait 6 régions chez lui, putain. Couper le bon fil. Ouais, tu m'étonnes. Ah non, il y en a 5. D'accord, ok. Là, j'ai les deux, c'est cool. Ça va aller très très vite. Pas de recherche. Ah, dis donc, ça se joue à rien. Hein. C'est quand on aura tout fait que ce sera vraiment à zéro. Guerrier de la route 23, génial. Hop. Bah, limite. Non, je vais pas vous faire d'ellipse. Si je vous fais une ellipse, moi ça m'a encore duré une heure à monter et j'aimerais bien pouvoir tourner un peu plus. Hop. Et puis avec tout ce qui peut se passer dans le jeu, regardez-moi ça, j'ai trouvé trois bonhommes, les trois bonhommes, ils ont fait, il y en a deux qui ont fait, enfin non, les trois ont fait boum. C'était suffisamment épique pour vous laisser au moins tout le reste de la conduite. Et puis bon, on joue à Mad Max, c'est de la voiture. Hein. Si vous regardez Mad Max juste pour les combats, c'est que vous avez rien compris. Hein. Excusez-moi de vous le dire, mes chers amis, mais quand même. Mais t'inquiète pas, je sais où qu'il est, c'est sympa, mais par contre ça serait bien que tu les repères d'aussi loin les autres aussi. Ah putain, non, elle est buggée. Wouhou! Juste ici. Alors la suite. Droit devant. Ok. C'est bon. Parfait. Et la suivante. Elle m'a dit qu'à gauche maintenant, c'est cool. Oula. Il a quelques ratés ce moteur. D'accord. Cool. Hop, ça c'est fait. Ça va vous faire un épisode de plus de 40 minutes, je pense. Là, je pense qu'on est à au moins 30 minutes, là. Au moins. Attendez, laissez-moi compter. Ça fait au moins 30 minutes, ouais. Hop. Ça tombe bien, je voulais passer par là, moi aussi. Salut les mecs! Hop les. On y va! Chien! Putain, mais les autres, pourquoi ils repèrent pas à 3 km comme ceux-là? Regardez ça! Regardez ça! On est littéralement à 4 km du machin. Je dis 3, mais on est à 4 en fait. Il est en train de dire que je conduis mal là, mais bon. C'est un sac, hein. Ah oui. Ah oui, monte dans la voiture. Ok, j'avance. Oh, les corbasses. Bon, allons-y. Hop. Donc en résumé, Pink Eye, qu'on va aller voir normalement dans le prochain épisode, est une femme. Voilà la fin du résumé. Donc ça veut dire qu'on va vraiment avoir un truc intéressant, je pense, sur le point de vue social du jeu. Doucement, ouais, j'ai peur qu'il fasse une roulade à chaque fois. Et boum, la mine.
Bon, il me court pas dessus, l'autre trou du cul, apparemment non. Un peu plus sur la droite, un peu plus sur la droite. Oui, monseigneur. Encore du travail. Pardon, très bien. Regardez, il essaye de faire de l'humour. Comme c'est pathétique. Ceux qui voient les références là-dedans, chers amis, mettez-les dans les commentaires. Vous gagnerez un point d'approbation de Marcus. Ah putain, ça se joue à rien. Et ici, on en a pas un de découvert, donc j'imagine qu'il y en a un là. Vu que c'est une région en longueur, ça va être très rapide à mon avis. Il y en a un en haut et un en bas. C'est comme les filles, elles ont des lèvres en haut et elles ont des lèvres en bas. Ce secret révélé, chers amis. Wouah! À vous de voir lesquels vous voulez embrasser. On n'a pas encore embrassé des masses dans ce jeu par contre. Hein. Puis vu que je confonds encore un peu les voyageurs hommes et les voyageurs femmes. Hop. 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 Wouhou. Ah, je suis pas parti dans la bonne direction. Les pouces. Et le pire, regardez, le pire c'est qu'il a un levier de vitesse, mais qu'il l'utilise pas. Mais c'est nul ça. Hop. Ah c'est bête, j'aurais bien pris par là moi. Bon, tu sens quelque chose le chien ou pas? Et me dis pas oui, ça sent le chien. Je vais pas te croire. Ah bah tiens, il m'en affiche un. Cool. Bah écoute, sympa si tu me l'affiches. Par contre, il y a un mec dedans, ce qui est à moitié con. Allez, ça me dit quelque chose, ça, le coup du y a un mec dans le champ de mine. C'est pas genre arrivé il y a pas longtemps, la découverte de ce truc-là. Ton pote Gitou. Oh, Gitou est déjà en morceaux. Merde, pauvre Gitou. Oh putain. L'homme et la mine. Oh, c'était tellement beau. J'aurais tellement pu le sauver, le pauvre homme. Oh, c'était trop con. C'était trop con, puis c'était une grosse en plus. C'est là que c'est vraiment con. Ah, il y en a une là-bas. Oh, mais c'est tellement con. Mais non. Pouf. Le mec, viens pas là. Pff. Et il est encharpé. On l'a transformé en Dinky D depuis. On l'a mis dans une boîte. Et on l'a transformé en Dinky D. Oh, la gueule. Ah, mais cet épisode est génial. Alors, si je me trompe, on va quand même aller voir où est-ce qu'il a pété, le pauvre garçon, parce que... Merde. C'est con, quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça con. Ah. En plus, il avait un truc à ramasser, il me semble, sur lui. 3 secondes. Voilà. C'est con. T'as vraiment sauté en plein dedans, quoi. 31 pièces de ferraille, oh le sac. Tu m'étonnes, avec tout ce qu'il y avait autour de lui, il a dû en ramasser. Et donc j'imagine que l'autre, elle doit être par là. À vue de nez. Hop là. Oh là. C'est le chien qui conduit ou c'est Max? Donc ce sera l'épisode de la marelle. Hein. Jouer à la marelle. Ou la marelle façon Mad Max. Bam. Bam. Je te roule dessus, littéralement. Bon, on n'a plus qu'à trouver la prochaine. Le prochain champ de mine. Alors. Hop là, j'ai pris mon virage moi. Et toi, à quoi tu joues? Hop là, là j'ai fait le con.
Et toi, à quoi tu joues? Bon. Dinkidi, réaction ou pas réaction? Pourtant, il y a des grandes zones par là. Tu devrais sentir des choses. Dinkidi, il est mort. Oh merde. Dinkidi est mort, chers amis. 500 pièces de ferraille supplémentaires. Wouhou! Très bizarre quand même ce qu'il y avait dans le soleil, dans le ciel, pardon. C'est pas naturel du tout. En fait, ils se packent tous au même endroit comme si c'était sur un. Ah bah, je lui roule dessus, tiens. Dégage. 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 Voilà, mais je l'avais prévenu, hein, je suis désolé. Hein. Ah, t'as pas aboyé le chien? J'ai cru t'entendre aboyer, mais ça devait être dans ma tête. Dégage. Alors on est où? On est en train de remonter, c'est cool. J'espère juste qu'elle est pas au milieu de tout ça. Ce serait tellement con. Ah. Oh po. Ah si, c'est au milieu. Oula, oui. Oh, c'est con. Ah, vive les lois de la physique du jeu Mad Max. Si seulement c'était comme ça en vrai, vous imaginez? C'est comme dans la pub, vous savez, avec les tartines. Oh merde. Dans la pub avec les tartines, vous savez, la tartine qui se met toujours, qui se remet toujours dans le bon sens avant de tomber. Ce sera à peu près ça. Hop là, il y en a une là-bas. Toi, je t'ai vu. Hop. Et de une. Part dans le bon sens, roule, marche pas sur une mine, ça serait cool. Alors, il y en a une là-bas. C'est marrant, des fois il me l'affiche à 30 km la mine. Hop, désamorcé. Et non, on ne sautera pas sur la dernière, chers amis, c'est entièrement fou, on ne le fera pas. On évitera un maximum. Oh, t'auras pas pu la mettre plus près, la prochaine mine. Genre la renifler à 2 mètres, tu sais, 3 mètres, ou sous mes pieds par exemple. Ne fais pas de gestes brusques, Max. Ah, mais elle est loin en plus, c'est. Ouais, elle est là où les débris sont juste encore naturaux. Enfin, ouais, naturels, pardon, pas naturaux. Naturaux, ce n'est pas du français. Bon, bah on a fini. 100% de la menace éliminée chez Gadgage. Du beau boulot, c'est parfait. Bon. Est-ce qu'avec ça, on a obtenu quelque chose dans le garage? Calme plat. Garder de la route 24. Nouveau garage. Ah. Ah bah oui, bah non. Attendez pas à ça. Meilleure attaque. Non. Ah non, c'est même pas celui-là, c'est même pas le bon que j'ai checké. C'est celui-là que je veux checker, moi. Meilleur armement. Bon. Bah écoute, si tu le dis. Bon bah écoutez les amis, on va se rentrer chez Gudgage pour cet épisode, à mon avis on va changer. En même temps, on va même aller faire les différents trucs qu'il a à faire chez lui, comme ça on aura tout fait chez Gudgage. Gudgage, pardon, on sera tranquille. Vu qu'on gagne 500 par 500, on n'est plus à ça près maintenant. C'est-à-dire qu'on va aller tout simplement réaliser la ferraille. On y en a mis un je crois déjà. Là il nous en demande 1000. Voilà, la petite réserve, la moyenne réserve, pardon, à 1000. C'est 500, 1000 et 1500 pour la grande. Qui fait un total de 3000. Hop. Et 1500 pour la grande réserve. Voilà. Hop. On a fini chez Gudgage. C'est trop cool. Normalement, là, on devrait avoir le droit à une petite. Ah non, même pas. Bon. Bon bah écoutez les amis, sur cette grande déception qu'on va se laisser, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, merci à GamesPlanet.com qui m'a offert le jeu, cliquez dans les descriptifs du lien du enfin, les liens du descriptif de l'épisode pour retrouver ses promotions et ses clés à prix réduit. Salut les gens!